Bonjour à toutes et à toutes, je vous reprends à 17h50, qui veut dire presque 18h, et on est le, je sais pas si vous voyez d'ici, on est le 26. Donc celui qui arrive à voir, qui me le dit. Et il y a une drôle de dame là, qui est là, je sais pas qui c'est. Je me suis réveillé, elle était là. Et elle n'est plus là. Donc, nouvelle petite vidéo. Petit changement dans la salle de bain. Donc, le tapis qui était celui-là qui était dans la salle de bain. Du coup, maintenant, voilà. Il a atterri ici. Voilà. Déjà, de base, je voulais mettre un grand tapis. Faire un test. Parce que, comme Maous, il aime bien pisser un petit peu partout. Donc du coup je ne l'ai pas encore acheté mais voilà j'essaie déjà avec celui-là, hein, tout simple. Donc ça fait voilà, des verres, ça fait pas trop mal. On verra bien. Et ensuite dans la salle de bain, j'ai mis le nouveau tapis. Tadam! Voilà. Le nouveau tapis, ça donne pas mal. Bon, regardez pas les jointures, hein, ils sont morts. Hein. On les a nettoyés, et j'ai même niqué le papier tellement j'ai frotté comme un malade. Mais c'est à tout refaire, c'est carrément arracher le joint, arracher carrément le joint et refaire un truc à neuf. Mais bon, moi je m'y connais pas trop dans ça, je connais rien du tout. Mais on va essayer. On va essayer, on va essayer. Et on a mis le nouveau tapis. Voilà, c'est quand même plus joli, plus propre. Donc j'ai réussi à enlever tout le noir qui était tout autour. À cause de tout le tapis, ça m'a fait une genre d'auréole noire. Donc avec le bang, ça a bien nettoyé. Mais au niveau des joints, il y en a encore. C'est un tout petit peu parti. Je vais pas dire que c'est pas parti. C'est un tout petit peu. Oui, vous voyez, il y a des endroits où il n'y a plus rien. Mais bon, j'ai frotté comme un malade aussi, quoi. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus propre ce que c'était avant. Là, c'est pareil. C'était avec la cuvette. La cuvette, c'était devenu un peu cracra. Donc là, je vais essayer de plus rien mettre là-dessus, là. Plus rien. La cuvette, si je rachète une autre cuvette, je le mettrai là. Là, j'ai mis ça comme ça pour égoutter. Hein. C'est juste pour cacher un peu le compteur, pour pas qu'on voie. Mais sinon, si je rachète, comme je dis, hein, si je rachète une nouvelle cuvette ronde, je la foutrai là. Et comme ça, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien ici. Juste la petite brosse. Que je trouve un petit truc pour. Un peu comme ça, mais en plus petit. Pour pouvoir l'accrocher. Voilà, il y aura juste ça. Et je vais plus rien. Vraiment, je vais plus rien là quoi. Je vais vraiment, ça reste propre comme ça, quoi. Ou essayer de trouver à largeur. Essayer de trouver un genre de tapis comme ça. Et le mettre plat. À largeur. Voilà. Prendre les dimensions et prendre les dimensions et le mettre là. Voilà. Voilà pour ça. Et ce matin, enfin cet après-midi, je me suis amusé à faire des sets de table. Et oui, je me suis amusé à faire des sets de table avec. Le tapis. Le tapis. Oui, pour moi, c'est un genre de tapis. Le faux herbe. Le gazon synthétique, je voulais dire. Donc j'ai fait un petit carré comme ça. Je sais pas où le mettre, mais bon, je vais bien trouver une place. Et j'ai fait un set pour pouvoir. Bien sûr, j'ai pris exemple
sur ça. Donc je vais vous montrer deux exemples. Je peux faire deux exemples. Donc voilà le voilà l'engin. Donc ça peut faire un pose plante. Bon là j'ai mis un petit hein, pour vous montrer hein. Mais on peut mettre un plus gros, donc ça fera tout le truc pour cacher, pour que ça fasse plus joli. Donc j'ai eu l'idée de faire ça. Et j'ai eu l'idée de faire des sets de table qui veut dire bah, comme ça. Voilà. On arrondit sous forme de gazon. Ah, les couverts, le vert. Donc c'est du couleur. C'est un vert, c'est pas un jaune. Hein, sur l'écran, ça fait jaune. Mais c'est un vert clair. Avec une assiette verte, bien sûr. Pour que ça aille un petit peu ensemble. Le verre de coca vert. Bon, j'ai pas la cuillère verte, mais bon. Donc c'est pour donner une idée, pour vous donner une idée qu'avec un simple petit truc machin, ben on peut faire des choses machin. Ah, par exemple, comme un set de table que j'ai pris de la même grandeur que celui-là. Voilà, c'était pour vous montrer. Voilà. Pour vous montrer, j'ai fait ça aujourd'hui, comme je savais pas trop quoi faire. Donc boulot, boulot, pas de boulot. C'est vacances. Du fait qu'ils m'ont mis, hop, on se retourne. Du fait que, bah, qu'il n'y a pas de boulot, ils m'ont mis, on va dire, vacances forcées jusqu'au mois d'août. Donc là, je suis tranquille jusqu'au mois d'août. Et après, vers le 25, par là, 25, 26, c'est les appeler et puis voir si ça s'est un petit peu arrangé. Ce matin, j'étais chercher mon truc de ma lettre recommandée. Voilà, c'était pas grand-chose, c'était juste un truc qui me regarde que moi-même. Ça regarde personne. Voilà, c'est juste une lettre recommandée. On a posté hier, on a posté le colis pour mon beau-fils. C'est les affaires. Donc il va recevoir mercredi. Et on a posté, enfin j'ai posté toutes les lettres, les fameuses lettres qui étaient là. Je l'ai posté. Voilà. Donc vous avez certaines personnes vont les recevoir. Bah, soit peut-être avant samedi là ou éventuellement dans la semaine qui vont arriver. Wally Walou. Et nous avons Monsieur Mahout. Nous avons Monsieur Mahout qui est là. Un Mahout, c'est vrai. Il dort. Il dort, il dort. Donc cherchons. Cherchons l'intrus. Vous savez, celui qui est tout noir. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se cache le petit intrus? Et où est-ce qu'il est? Oh! Il est là! Il est là le bébé! Coucou papa! Coucou papa! On n'a pas fait de lit, c'est pour aérer un petit peu. Ah mon bébé! Oh! Oh Guilibou! Oh! J'y vais. Et allez, là, t'es cherché le cache ventilo que j'avais planqué en dessous là. Il a été me le chercher, il joue avec. Hein? Hein, petit schnappant? Hein, t'as un petit schnappant? Hein, t'as un petit schnappant? Hein, c'est quoi ça? C'est quoi, tu me l'as bousillé? Hein, petit voyou? Hein, voilà. Ah mon bébé. Oui bébé. Ah le pépère.
Oui, il y a des papates. Il y a des papates en l'air, là. Il a la papate, là. Il a... petit bébé, petit quoi. Vous dites que c'est papa. Oui, papa, il sent le produit, il a nettoyé... Il a nettoyé un petit peu la salle de bain. Oh, petit bisou à papa. Oh, il y a des... C'est pas du gentil, ça. C'est pas gentil, ça, des petits câlins, ton papounet. Hein? C'est pas gentil, ça, des petits câlounets, ton papounet. Hein? Petit voyou. Donc, bah voilà. Donc, du coup, bah, vu du fait que bah, je suis en vacances, bah, je vais voir pour continuer mon mur là, pour le finir. Pour le finir, ainsi que celui des chiottes. Celui des chiottes et celui des chiottes et la cuisine. Wally Walou. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous présenter. Ça, vous l'avez vu. La vieille, vous l'avez vue. Donc, c'est pas la peine. Et voilà. Non, là, je l'ai pas encore fait. Je devais le faire. Du coup, voilà. Je l'ai pas encore fait. J'attends que la miss se prépare. Sinon, on va chercher paquet de clopes. Sinon, à manger. Ben, à manger, on a la soupe. La soupe à manger, la petite voisine qui a fait. Donc, de la crème fraîche, des lentilles corail, petits ronds et patates douces. Alors, je vais essayer de goûter. Parce que j'ai senti, c'est ça a pas l'air d'être mauvais. Ça sent même très très bon. Mais vu du fait que c'est mouliné, peut-être que. Je sais pas. Peut-être que je vais goûter. Ça se trouve, je vais peut-être aimer, ça se trouve, hein. On verra bas, on verra bas, on verra bien. Donc je vous dirai ça demain. La pizza, super bonne. Franchement, très très bonne. On a tout mangé. Enfin non, j'ai mangé le reste ce midi. J'ai mangé. Mais il te restait une part, bah, j'ai Deux. mangé. Ou deux, ou une et demie. Deux. Mais moi j'ai tout mangé, moi, la vieille. Hein? Que je traduise. Donc elle a dit, ah moi il y a un moyen, voilà. Voilà, je vous ai traduit. Et puis bah c'est tout. Donc sur ce, on va vous laisser. Donc si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, ça n'a plus de choses, vous abonner, nanani, nanana, nanana. Merci à tous vos gentils commentaires, merci aux nouveaux abonnés, que ce soit homme ou femme, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc bienvenue sur la chaîne. Et puis nous, bah, je sais pas, on va voir. Hein, du fait, comme je vous dis, que je suis en vacances, on va voir comment ça va se goupiller. Voilà. Donc on vous fait de gros gros bisous. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao.